vidéo où je vais vous montrer toutes les bigoumis de la famille. Exactement, tout le monde. Alors, j'ai les boîtes bigoumis qui sont à côté de moi. Oui. Et puis j'ai d'autres bigoumis qui sont à côté aussi. D'accord, donc on va commencer par celle-là, quoi. Oui. Ok. Et du coup, on va commencer par les combis. Let's go. C'est parti. Alors, Cindel, tu disais qu'on commence par les combis, c'est ça? Oui, en fait, les combis, ce sont les petits pyjamas. D'accord, ok. Alors, on commence par celle-là. Je te laisse faire, hein. Parce que là, il ne faut pas perdre de temps parce qu'on a beaucoup de bigoumis, donc... Alors, on a celle-là, on a la bigoumi princesse. Tu as, ça c'est à toi, c'est pas à moi. Ah oui, on a la bigoumi princesse, toute rose, avec le derrière, avec des ailes sur le derrière. Le logo, bien évidemment. Puis, une petite couronne. Ok. Moi, si je monte comme ça, la boîte tout entière. Ouais, c'est bon. Elle est trop belle. Ensuite, deuxième boîte. On a... Et bien sûr, elles ne sont pas nouvelles. Hein. Non, non, non. Bah non, 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 non. Parce qu'elle en aura beaucoup trop pour être nouvelle comme elle, ça. Et celle-là, c'est laquelle, alors? Celle-là, c'est la licorne colorée. La elle multico. Est aussi à moi. La multico. Avec le ventre à sequins, la petite corne argentée. Le goût, il est rose. Ouais, et celle-là, tu l'as gagnée au concours Bigami de Halloween. Et c'est trop beau, j'adore les sequins blancs parce qu'ils sont trop beaux. Et en plus, regardez, ça fait comme des reflets d'une autre couleur. Ouais, ouais. C'est vrai qu'ils sont jolis. Elle, derrière, elle n'a rien de spécial comme les autres. Hein. Non, non, elle est toute simple. Enfin, toute multico déjà. Troisième bigoumi. On a celle-ci. Ah oui, alors celle-là, en fait, on n'est pas assez... Ah oui, non, en fait... Ouais, c'est celle de ta sœur. Ça, c'est bien le combi. Ouais, c'est la combi koala de ta sœur. Elle est trop belle. Je l'adore, elle est toute douce, j'aimerais bien la voir. Avec le petit logo tout bleu cette fois-ci. Oui, cette fois-ci elle est tout bleue. Voilà, et elle a les manches refermées sur elle-même. Hein. On peut, vous voyez là les manches comme elles sont. Voilà, ouais, toutes grises et blanches et la petite capuche avec la tête de licorne. Koala. Oui. J'allais dire de lama, moi, n'importe quoi. Et moi j'allais dire de licorne. Ouais. Voilà, enfin, donc ça c'est la combinaison d'Enola. Et elle, pareil, elle adore sa combi. Elle a lâché exceptionnellement ce soir pour qu'on fasse la vidéo. Ensuite, la dernière celle-là, combi. Ah oui, celle-là, c'est Cathy, c'est Kitty. Ah oui, c'est Kitty, Kitty. Celle-là, tu me l'avais demandé au tout début. Et en fait, je ne l'avais jamais prise parce que, bah, voilà, pas le temps. Et puis, c'était en été. Donc, elle est trop belle. Ouais, elle est trop belle, trop douce. Je t'adore, toi, je te regarde. Donc, c'est la Kitty. Tu la montres un petit peu en détail? Alors, en fait, elle a des trucs, elle est grise, elle est quadrillée un petit peu. Ça. Voilà. Ouais, on va dire. Avec les petites manches comme ça, comme toutes les combis. C'est pareil que la et Koala le pour Enola. Ouais. Oh, j'adore. Je t'adore toi, tu sais. Mais tu sais qu'il y en a plein qui arrivent encore, hein. Fin janvier, il y en a plein. Mmh. Alors, on passe au reste et je décide de commencer par celle-ci. Celle-ci. Ça, c'est ta première bigoumi que tu as eue. Oui, et en plus, c'est ma réversible. C'est ta réversible. C'est la panda. Elle a un pelage. Alors, ce côté-ci, elle a un pelage tout rose et tout doux. Ouais. Avec un petit visage d'ours. De panda. Oui, de panda plutôt. Et le petit logo, je crois qu'il est sur le ventre, hein, c'est ça? Le côté. Oui, ouais, sur le ventre, il me semblait bien. Ça donne quoi quand on la retourne en bleu? Ça donne voilà. Ça. Voilà, ça donne ça. Alors rien de bizarre en fait, c'est juste du bleu avec le petit logo, c'est tout en fait. Ouais, et fais voir, je crois que c'est le... Je sais plus si c'est l'ancien. Ouais, c'est l'ancien logo, je crois. Fais voir, montre-nous. Il est rose. Mais je crois que c'est l'ancien logo, il me semble. Pourquoi ils ont... Ouais, ils ont changé en cours d'année. Donc faudrait que je... Ouais, mais oui, je crois que c'est l'ancien. Voilà, donc la première bigoumi de Cindel. Ensuite, on a celui-là. La deuxième. Qui est de l'autre côté, en fait. Et cette fois-ci,
moi, elle est à maman. Non, c'est à toi ça. Ah bah, oui, oui, parce qu'en fait, on a les mêmes. T'as la même qu'Enola, ouais, vous avez la même toutes les deux. Ah, c'est même plus ce qu'est à elle. Et en fait, elle a un petit visage de licorne et j'ai pris du temps à remarquer qu'en fait, elle avait un petit cœur. Un petit cœur là, ouais, c'est vrai. Et alors, elle a une petite corne argentée, le petit logo tout rose, des sequins derrière avec écrit Team Unicorn. Montre-nous. Ouais, voilà, on voit bien là, c'est bon. Team Unicorn. Et bien sûr, on a la grosse fermeture éclair, hein, comme d'habitude. Bah oui. Voilà. Et la crête toute rose sur la tête. Elle est. En plus, elle est toute douce. Ouais, elle est toute douce. C'est vrai. Alors, excusez-moi, je m'amuse avec la lumière. J'essaie de vous la régler bien comme il faut, mais c'est pas évident. Tu t'endors avec ta bigamy. Alors, on fait cette vidéo parce que vous l'avez souvent demandé à Sindel. Donc, on s'est dit, allez hop, on a pris notre courage à deux mains et on l'a faite. Ensuite, on prend. Ben, je décide. On prend celle-là. Ouais. Parce que c'est l'avant-dernière. Alors, en fait, c'est la dernière veste que tu as pour l'instant. Et c'est la lapin, la petite lapinette. Alors ici il y a le petit visage lapin. J'apporte plus celle-là que les autres. Mais bon, les autres aussi. Ça dépend en fait du contexte. Oui, mais j'ai porté aussi. Ouais. Donc on a toujours la grosse fermeture éclair, les grandes oreilles de lapin, les petits yeux, enfin les gros yeux, le nez en forme de cœur. Et sur les manches, il y a aussi le petit. Voilà, ah, mais là, pouce sans fil. Les petites poignées. Enfin, vous savez comment on peut mettre le pouce, quoi. Ah oui, là, comme ça. Sorte de mitaine, quoi. Voilà. Et le petit logo tout rose. Est-ce que j'ai le droit de m'endormir? Elle s'endort, ça y est, on l'a perdu. La garde, hein. La carte pour la carte à la vidéo. Ensuite, suivant. C'est là. Allez, on continue. Alors là, on passe aux vestes de qui? Moi. Bon, non, on vient de démontrer tes vestes. Ah oui, et bah d'Enola. Exactement, c'est les vestes d'Enola cette fois. Alors la première veste, c'était la même que la première, la première veste que j'ai présentée. Voilà, c'est la même veste unicorn que toi. Je vous avais pris la même à toutes les deux parce qu'il y avait eu une bonne occasion. Et on a toujours le même. Le même truc derrière avec les sequins. Enfin, c'est la même en taille 15-16 ans, quoi. Alors, faut savoir que tout ce qu'on a acheté chez Big Yummy, on l'achète quand il y a des promos. Et on cumule avec les codes promo des copines en même temps. Enfin, quand il y a des soldes, et on cumule les codes promo des copines. Donc, n'hésitez pas à utiliser les codes promo que je vais vous mettre sur cette vidéo. Et de les cumuler avec les soldes actuels. C'est-à-dire que là, en janvier, il va y avoir des soldes. Et ben, n'hésitez pas à les utiliser. Et à cumuler. Parce que ça vous fait des soldes encore plus, plus grands, quoi. On continue? Oui. Allez. Prochaine boîte. Par contre, je récupère la boîte parce que sinon, tu vas être envahi de bigamie et de boîte. Bah, c'est papa. Donc, pour aujourd'hui. Toujours pour Enola. Hein, on reste dans la catégorie Enola. Est-ce que tu sais laquelle c'est? Non. Alors, c'est la veste à sequins. La première veste. Je crois que c'est la première veste d'Enola, ouais. La première veste Big Yummy. Donc, la veste à sequins, elle a les sequins, hein, comme son nom l'indique, sur les manches. Et ils sont réversibles. Ils sont un côté blanc et un côté... Vas-y, essaye de le faire. Mais je sais pas si on verra bien, mais bon. Là, c'est tripailleté, on va dire. Argenté, ouais. Et en dessous, c'est blanc. Et en dessous, c'est blanc. Il y a aussi la petite mitaine, ouais, voilà. Oui. Donc il a des petites oreilles, voilà, quoi, tout simple. Mais il fait son charme. Tu vois, juste... Et là, sur les petits cordons, il y a le petit détail qui tue, très girly. Yeah. Les petits cœurs, voilà. Alors je vais quand même vous montrer le petit logo. Voilà, en rose. Et on reste sur une... qu'on appelle ça? Fermeture éclair. Grosse, voilà. Alors le suivant... C'est bien, c'était pas de ce côté. Là, c'est de ce côté. Enfin, ah oui, je vois que c'est. Ah, là, elle est lourde. Hein. Ouais, alors mais ça... Elle est toute douce. C'est la Fluffy de chez Big Yummy avec la doublure. Elle est plus épaisse. Toute grise avec des grandes oreilles. Ouais, elle est super douce.
qui a le derrière, logo rose. Et derrière, il y a écrit Girl Power. Vas-y, déploie-la comme ça. Girl Power, elle est super douce. Celle-là, elle n'a pas de mitaine aux manches. Le logo, il est où? Il est là. Bon, et il est rose. Celle-ci, pour être honnête, il y a un petit défaut dessus. Donc, j'ai contacté Bigummy et ils vont faire ce qu'il faut pour le dédommager. Ici, en fait, dedans. Ouais, voilà. Quand on la met, en fait, la doublure est entortillée. Donc, c'est très difficile de la mettre. On la met quand même hein, parce qu'on l'a payée. Mais voilà, elle n'est pas forcément confortable. Non, alors qu'à la base, elle l'est. Hein. On voit que c'est de la qualité, mais là, voilà, la doublure a été mal faite. Il n'y a pas ta taille, sinon je te l'aurais prise. Et moi, je compte me la prendre en noir. Et vous voyez, c'est pas parce qu'il y a un défaut qu'on prend plus de Bigummy. Hein. Ça arrive qu'il y ait des défauts. Bon, ben voilà, ça arrive. Et ben, on va quand même profiter des soldes. Oui. Et ensuite... La dernière pour Enola. Mais, oui, la dernière veste d'Enola. Ouais. Alors, le pull d'Enola. La veste d'Enola. La dernière veste d'Enola. Toute rose. Toute rose fluo, même. Rose. Et puis, celle-ci, il y a quand même les petites manches mitaines. Trop bien. Voilà, et les petites oreilles au-dessus. Et elle est fourrée en gris à l'intérieur. Et Enola m'a dit qu'elle était super confortable. Ah oui, là. La capuche, c'est tout. Après, le reste, c'est rose. Ouais. Et l'intérieur des oreilles grises. Voilà. On passe à la série suivante, qui est donc la série des Bigummy à maman. D'accord. Alors, la première boîte. Alors, la première boîte. Ouais. La petite licorne, enfin grosse. C'est ma première Bigummy, celle-là. Oui, c'est ta première Bigummy. Ouais. C'est la lila. Tu alors, me décris un peu cette Bigummy? Alors dans les yeux, en fait, elle, au lieu d'avoir des ronds, ouais, des ronds blancs, et ben en fait, elle a des étoiles blanches. Exactement. Moi, c'est ce qui m'a plu dans la Bigummy, c'est les petites étoiles. Tu nous la tournes vers nous, comme ça, on peut la voir. Voilà, on voit un petit peu. Et donc, plus, elle a des petites crêtes, une petite crête, voilà, un petit truc comme ça. Une petite crête. Jolie, claire, très très bah, claire. Bah, lila, en fait, c'est la couleur lila. Elle a le petit logo tout rose. Et les petits, les petites narines en forme de cœur. Ouais, j'adore. C'est trop kawaii. Girl Power. Vas-y, bah, déplie là parce qu'on la voit pas, on voit pas l'écriture. Voilà, Girl en fait, c'est brodé, c'est pas en sequin comme toi. Girl Power. Et j'ai les petites mitaines aussi sur celle-ci. Les petites mitaines? Ouais. Donc voilà pour la lila. On passe à la suivante. Oui. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière parce que je veux la fluffy. Et peut-être une autre encore. Parce qu'il y a plein d'autres modèles qui arrivent hein, à partir du 20 janvier. Alors, voilà. Voici, on a une Lickstrumpf. Une Lickstrumpf. Oui, une licorne Schtroumpf. Une licorne Schtroumpf. Elle est trop belle parce aussi. Elle est toute bleue. La crinière rose, ouais. La corne rose, les yeux ils sont normaux aussi. Normaux aussi. Là, les petites oreilles, en fait, là c'est le petit rose des oreilles, même si, comme les chiens d'ailleurs, ou comme tous les autres animaux. Ouais. Et l'autre côté en bleu. Et toujours pareil avec la grosse fermeture éclair. Ok, donc pour moi, voilà, c'est tout. Il reste encore la catégorie à qui maintenant? Kenzo. Exactement, la catégorie à Kenzo. Alors on passe à la catégorie de Kenzo. Let's go! Donc lui, ça va être plus rapide Kenzo parce qu'il en a que deux. Oui. Pas vraiment. Pourquoi pas vraiment? Parce qu'en fait, il a aussi un accessoire. Ouais, voilà. Mais il aimerait bien encore avoir une ou deux Bigummy parce que je sais qu'ils en font qui sont mixtes. Donc, on va voir. Alors, cette fois-ci, on a le monstre. On a vu sur tes petites photos. Ouais, le petit monstre. Il est très content de l'avoir reçu parce que ça faisait un moment qu'il l'a voulu. Le logo, il est comme ça. Il est tout bleu. Et il a les petites mitaines, lui, hein, je crois. Regarde un peu. Oui, il a les petites mitaines, cette fois-ci, toutes bleues. Ouais. Les petites cornes de monstre, les oreilles. Alors essaye de bien nous le montrer. Voilà, comme ça, on voit bien les petites dents, les yeux, les cornes. Trop belle, pardon. Et elle est vraiment douce, hein? Même les yeux? Ouais, il y a tout qui est doux. Non. Voilà pour Kenzo. Ça, les contours des yeux et ça. Après, sinon, on a tout qui est doux. Et bien
sûr, comme toutes les bigoumis, elle a aussi la grande fermeture éclair. Voilà, lui aussi. Alors, la fermeture éclair énorme, c'est sur les vestes et sur les fluffy, je crois. Pas sur les doudounes, il me semble. Hein. Faudra que je vérifie, mais je crois que c'est comme ça. Et bien sûr, avec les poches incroyables et toutes douces. Voilà. Voilà pour la première veste de Kenzo. Puis, la dernière boîte, Bigoumi, on a le petit requin. Voilà, ça c'est à Kenzo. Il se met des chances que tu veux en fait. D'ailleurs, je vais le mettre, j'en profite hein, pour le montrer. Ah bah oui, tiens. J'en profite. Parce que moi aussi j'en ai un, mais c'est pas Bigoumi, j'ai une petite sirène moi. Ouais, bah non, parce qu'il y en a plus, il va falloir qu'on attende un petit peu. Mais il y en aura encore. Hein. Pour les filles? Bah oui, oui, il y a les queues de sirène de chez Bigoumi. Donc voilà le petit requin. Cindel est bien dedans, bien là, confortable. Il est tout bleu. Et il est vraiment doux. Très épais, très doux. Et on a le logo là sur la nageoire. Et donc Cindel s'est fait gober par un requin. Et son ventre est tout blanc. Avec ici les gencives et les dents. Elle va vous faire un cours d'anatomie. Et là, on a les petits yeux. Les requins ont toujours les gros yeux. Et tout blanc et noir. Kenzo s'en sert beaucoup pour son siège gaming. Et avec ses copains sur ses jeux vidéo. Voilà, et il se met dedans sur son siège. Il est super à l'aise. Ou alors, il va sur le canapé avec aussi. Il se met dedans. Ouais, dans son requin. Il est très content de l'avoir reçu. Moi, j'utilise beaucoup. Surtout ma queue de sirène. Surtout pour mon lit. Ouais. Voilà, et on va vous montrer un dernier accessoire. On va ranger celui-là. Et c'est un accessoire qui est à Enola. Donc, le dernier accessoire, il est à Enola. Ouais. Et en fait, c'est son pull. Exactement. Et celui-là, il a le logo bleu. Enfin, c'est un petit sweat. Et je pensais pas qu'il était aussi épais quand je l'ai acheté. Je pensais qu'il était vraiment plus fin que ça. Et lui, il est comme le koala, non? Non, c'est pas le koala, c'est comme la veste à sequins. Et oui. Par contre, non, ça se retourne pas, hein. Fais attention. Ouais, mais ça change pas de couleur. Fais attention de pas les décrocher quand même. Donc, donne-le-moi, je vais le montrer un petit peu. Un petit peu, on dirait que c'est rouge. Ah oui, d'accord. Du rose avec du rouge, je dirais. Ok. Donc, il y a écrit « Forget the rules ». Ça veut dire quoi? Je sais pas. Et derrière, il y a ce petit logo. Les sequins légèrement rose gold, mais vraiment légèrement. Et... je crois qu'il y a deux épaisseurs, mais je suis pas sûre. Non, il n'y a pas deux épaisseurs, mais vous voyez, c'est un tissu vraiment épais. Donc, elle n'a pas froid avec ça. Et il est assez lourd. Hein. Enfin, je pensais vraiment pas à ça. Je pensais qu'il était vraiment très fin. Donc, voilà, vous aurez pu voir toutes les bigoumis qu'on a. Moi, maman, Kenzo et Enola. Ouais. On avait toutes ces bigoumis. Et c'est sûr, on en recommandera d'autres. Bah, tiens. Tous les quatre. Ouais, tu en veux encore toi? Bah oui. Je veux toutes moi. Je veux toutes, je veux ouais, toutes. Surtout que tout. Je le répète encore une fois, mais il y a la nouvelle collection qui arrive là, donc ça va être la folie. Et je veux même celle du gars. Hein. Ouais, d'accord. Allez, je pense qu'il est temps de conclure cette vidéo, Cindel. Oui. Il est temps pour moi de vous laisser sur ces quelques images. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Et je laisse Cindel conclure cette vidéo. A très bientôt les loulous. Aïe. Les copains, les copines, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un max pour un commentaire. Likez, partagez et surtout abonnez-vous. Ça nous fera toujours plaisir. Nous, on vous dit à la prochaine vidéo et on vous fait des gros bisous. Oh, aïe. On va tomber. Je fais l'avion.